à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est déjà, on est le 2, mais t'es trop méchant, le 2 janvier du coup, ta gueule, pardon, du coup hier j'ai pas pu clôturer, on est resté 3 heures à l'Empire State Building, dont seulement 20 minutes où on a regardé en tout, parce qu'au début on est allé au 80e étage, on a regardé pendant 2 minutes, on a dû refaire la queue. Oui, non, mais on a mis, voilà, on a une heure. On a mis plus que ça encore. Non, une heure pour monter au 80. Après, il a fallu une demi-heure pour monter au 86. Et après, ouais, il a fallu une heure, ouais, pour monter, enfin, au 80. En fait, on a commencé à faire la queue dehors carrément. Et à l'intérieur, ouais, vous avez encore 25 queues à faire. Bref. Bon, femelle, est-ce que tu peux... Mais j'avance, ah. J'essaie de parler, t'arrêtes pas de dire de la merde, je vais devoir couper 25 passages. Mais vous, c'est vraiment chiant. Oui, il y a pas que tu fais ça. Tu as de la chier à monter le blague. Super. Bref, et donc du coup, voilà, on a passé 3 heures carrément là-bas. Mais bon, après, voilà, ça valait le coup, même si au final, bon, voilà, vous regardez que pendant 20 minutes. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez fait le tour, vous avez vu la vue, et puis c'est bon. En fait, on a fait le 80e étage, ensuite 86e, et ensuite, on a fait l'observatory. Donc, du coup, c'est le 102e étage. Bah, c'est vraiment incroyable, mais bon, c'est vrai que de rester pendant 3 heures, et en gros, faire quasiment 3 heures de queue pour ça, c'est vraiment, enfin, c'est hallucinant. Mais bon, voilà, ça valait le coup, au moins on a vu. Et puis donc du coup, voilà, voilou. Après, on est allé un peu à Central Park. Et ensuite, on est allé manger au resto. Donc voilà, c'était très bon. On est retourné au petit resto italien, je sais pas si je vous en avais parlé, qui est collé à l'appartement. Il est vraiment à 3 pas, qui s'appelle San Matteo. C'est vraiment super bon là-bas. Et donc voilà, on avait envie d'aller là-bas. On avait vraiment kiffé. Et j'avais envie de... J'avais envie de burrata avec des tomates, donc du coup je les ai eues et c'était trop bon, j'adore la burrata, on adore ça. Et puis voilà, voilà, donc là on va enfin voir le mémorial du 11 septembre, le musée. On est arrivé plus tôt, là il est 8h30, on s'est dit on y va avant l'ouverture, c'est à 9h l'ouverture, pour pas attendre 4h, et oh my god, il n'y a quasiment pas de queue, génial, voilà. Donc du coup, bref, j'ai été un petit peu coupée, donc là on va dans la queue, donc super, il n'y a quasiment pas de queue parce qu'on est arrivé en avance. Et puis bah, après on va peut-être aller voir la Statue de la Liberté, on va voir ce qu'on fait, s'il n'y a pas trop la queue comme hier, parce que hier du coup on l'a pas faite, parce que déjà on s'était trompé de ferry, donc on est resté 100 ans dans le ferry pour rien. Et donc du coup, bah, on verra là s'il y a du monde ou pas, parce que pareil, il y allait avoir 3 heures de queue. Et vu qu'on voulait aller voir Chinatown, donc on est allé voir Chinatown, et hier je ne l'ai pas filmé, tout simplement parce que ça n'avait aucun intérêt, sincèrement je vous le dis. C'est un quartier qui craint plutôt, qui est assez sale, qui est pas... Hein, ça n'a aucun intérêt. Bébou. Bébou. Tu fais exprès de pas me répondre. Voilà, qui n'a pas grand intérêt, donc bon, on l'a vu, hein, on est content, mais c'est rien d'époustouflant quoi. Bon, il est 11h30, on vient de sortir du musée, donc bah, c'était vraiment... Je sais pas si on peut dire que c'est bien ce genre de musée, mais bon, en tout cas ça explique beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé, etc. Bah, voilà, c'est assez émouvant et c'est triste de voir ça, mais en même temps c'est beau de voir bah, qu'on leur rend hommage comme ça. On a vu tout, on va dire, entre 1h30 et 2h, et puis après en fait on s'est posé au... Bon, déjà on est allé acheter quelques trucs, et puis après on s'est posé au café qui est un petit peu en hauteur parce qu'on avait faim. Ça nous a coûté une blinde, 3,50€, enfin 3,50€ un croissant grand comme ça. Mais bon, il était bon heureusement, avec un chocolat chaud, je sais plus combien il coûtait, 1, 2, 3, 4, combien il coûtait, mais il était très bon, donc on s'en fiche, le prix est passé un petit peu mieux. Donc du coup là on va aller au parc Heitline, si je le dis bien. Et apparemment c'est un parc, c'est quoi, avec une vieille voie ferrée et tout.
Enfin bref, et apparemment ça, on est un petit peu en... Il me répond pas, il s'en va les couilles ce mec. On est un petit peu en hauteur et tout, on a une belle vue, donc on va voir. Bref, je suis désolée avec le soleil là qui est derrière. Ouais. Gigantesque. Et voilà, donc du coup on va faire ça. Et puis on verra si c'est joli parce que c'est Laura qui nous a conseillé d'aller là-bas. En même temps c'est elle qui a fait un gros programme. Après nous on a rajouté plein de trucs aussi après. Mais bon voilà, on va aller voir ça. Et puis moi j'aimerais aussi retourner en fonction de l'heure qui sera à Times Square parce que j'ai pas eu ma photo là-bas déjà, ça m'énerve. Et par rapport au jour de l'an, ils avaient mis plein de bordel partout, plein de trucs pour mettre genre une scène, etc. Donc c'était un petit peu chiant pour circuler. Et donc voilà. On échappe au tout.